Kikou tout le monde, Kimomen ici. Nous sommes sur la page officielle de Neverwinter Arc Games et il y a quelques petits changements que j'ai vus. Il y a quelques changements sur le voleur. J'ai vu quelques changements sur le barbare, que moi j'appelle le Barbie. Génial, je prends un perso. Chaque fois que je prends un perso, il change le perso. C'est dingue. Ouais, celui-là on avait déjà vu. Ouais, double saut si quelqu'un est intéressé. Et nous avons un pack. Qu'est-ce que c'est ce pack? Bon, sur Facebook, j'ai vu que c'était assez rigolo ce que les gens commentaient en bas. Eh bon. Bon, apparemment, il y a une monture qui ressemble à Terreur. Le fameux film Les Terreurs avec les vers de terre. Hein? Désolé. Oui, je connais mes anciens. J'aimais bien ce film. C'était assez gag. Juste la 1, hein, pas le reste. D'accord. Bon, comme vous pouvez voir là par le titre, on va pas commencer à lire et tout comme ça, tout ce qui nous intéresse, c'est ici. Allez, avouez, il faut l'avouer, tout ce qui nous intéresse, c'est ce pouvoir. Ok, 1000 défense, 1000 pouvoir. Ok, c'est pas le genre de monture que je vais prendre. Mais bon. Bon, passons. Nous avons VIP. Non, je rigole. Oui, mais attendez, ça j'aimais bien par contre. Mais attendez, nous avons encore plus. Wouhou! Lui. Je sais pas du tout comment je peux le décrire. Mais là, pas du tout. Comme ça, bon, on a un nouveau truc ici maintenant. Qui est apparu. Hein, qui est. Des artefacts. Ils sont plus jolis que les autres, je trouve. J'espère que ça, c'est pour le débat. Ou bien c'est celui-là. Je sais pas. Route. J'aime bien. Je peux faire celui-là que les autres qu'on a vu la dernière fois. Alors ça m'intéresse un peu plus. Mais attention, voilà le moment. Yeah, 15 000 zen. Vous imaginez 15 000 zen pour le moment. Et après ça va passer à 20 000 zen quoi. Oh my god. Désolé. Oups. Je commence à tomber malade et en plus samedi je sors. Je suis occupé samedi. Génial. Bon, ce que je voulais faire, bon, après par ça. Hop là. Ça va, ça a l'air être moins flou. J'ai déjà pas mal. Ok, ici, ça c'est le petit barbare que moi j'appelle le Barbie, hein, l'offensif. Actuellement connu sur le nom de... actuellement, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Le barbare. Yeah. Conserve moitié de ses trucs, conserve son truc. Oui, il est que 8h55 et je suis debout depuis 8h du matin et rush pour déposer mon fils à l'école et je viens à peine d'entamer mon premier tasse de café que je veux vite vous parler de ça. Oh. Lui m'a pas, j'aime pas. Bon, il est très moni. J'arrive. Mobile. Kimberley, pense mobile. Téléphone mobile. Mobile. Voilà. Ok. Bon, bah après avoir vite regardé ici pour essayer de comprendre un peu mieux. Oui, d'accord. On était ici. Pour le tank barbare sentinelle. Ouais, d'accord. Alors, en fait, on va avoir deux... Avec le... Si j'ai bien compris, je peux peut-être me tromper. Je suis pas doué à ce genre de truc. Hein. Moi, je prends un perso. J'aime bien le jouer. Point barre. J'aime pas qu'on me change. Mais bon, c'est pas grave. Si j'ai bien compris, on peut faire les deux. On pourra faire un DPS et tank. Et le pire, c'est qu'il y a quelques mois, j'en ai parlé avec un ami, justement sur le off, en disant « Ouais, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de changement, ça serait gag s'ils faisaient un tank. Ça serait gag s'ils transformaient le off en tank, quoi. » je crois que j'ai parlé trop vite. Gag. Ok, bon. Ouais, tu vois, le pouvoir de blocage remplacera chez le sentinelle le sprint pour bénéficier de mettre des armes bloquées. Le barbare fonctionne de manière similaire à celui-là des guerriers. Cependant, le blocage a été complètement retravaillé pour rendre le gameplay plus actif et dynamique en combat. Le blocage ne confie plus de bonus de résistance de dégâts, mais accorde une barrière de points de vie
tant que l'arme de barbare est levée. Ok, ok. Les points de vie de vigueur, ils vous restent et vous PV à max lorsque vous levez l'arme pour bloquer le coup, un coup. Ok, d'accord, perdez de vigueur, les points de vie, sauf si les dégâts des attaques surpassent votre jauge de blocage lorsque votre arme est levée. Ok. Simple changement, si l'effet de sur une façon dont les tanks jouent, il va rendre pour tanker en sentinelle, d'accord, ok. Oh, le gameplay actuel d'un paladin ou un guerrier défensif. Non seulement le blocage devient plus important et visible, mais les dégâts infligés par les ennemis. Ok, d'accord. Bah, apparemment, on a toujours le tank et le palouf. Couteau suisse et... J'ai jamais trouvé de son nom pour le def, moi, ici, en fait. Ok. Bon, bah, ok, cool. En fait, il va faire les deux, quoi. Il va faire... il peut... Et moi, c'est pas... Il va pas... J'espère pas que ça va être le cas, mais je crois qu'il y a des joueurs qui vont réussir. Moi, à l'époque, bien avant que le Deva devienne soigneur... désolé de le dire. Moi, déjà, quand je l'avais, il y a 2 ans, j'ai fait un build où que je soignais. Déjà à la base. Hein, et j'avais quelqu'un d'autre aussi, mon ancien chef de guild, qui l'avait plus ou moins pris le même truc. Et lui aussi, il soignait en fait. Alors, bien avant que tout ça sort. Hein. Or, et le pire, c'est que la manière qui s'est décrit, ça me fait penser à un ancien pote qui a arrêté Neverwinter parce qu'il en a eu marre de leur bêtises. Me fait penser à sa manière de jouer à l'époque déjà en fait. Est-ce que maintenant les joueurs vont réussir à le faire 100% tank? Ça je ne suis pas sûr parce qu'il y a toujours moyen de le faire. Même si on galère un peu. Ça il faut voir. Ce qui me dérange là-dedans c'est le fait que si maintenant il y a des joueurs qui arrivent à faire 100% tank avec lui. Bah couteau suisse il def ça sert à rien en fait. Je sais pas, il faut voir. Parce qu'ils ont beau nous dire comment ils vont faire, tu vois, bien entendu, les barbares sont toujours des excellents DPS. J'aime pas ce mot, Neverwinter, barbare, pas, non, garde-le off, offensif, j'aime bien, moi. Et de mettre arme Sera en tirant accès aux dégâts. Les maîtres d'armes ressemblent beaucoup à des guerriers off actuellement. C'est le guerrier off. Ça va me rester off, point barre, je ne dirai pas barbare. Barbare me fait penser à la bière belge. Barbare, merci. Maintenant j'ai envie de boire une barbare. Mais non, il est trop le matin, je rigole. Changement de les changements de cosmétiques et le pouvoir ainsi qu'un poignet de nouveaux pouvoirs. Un poignet. Ah, et ils refont tout le perso en fait. Ouais. Toi, temple des haches, de nouveaux attaques, aux dégâts se lèvent. Patati patata patata patati patati patata. Non, je n'ai pas hâte de jouer avec ce barbare. Parce que moi, le barbare, ça se boit. Chez moi. Ah, moi et mes bêtises. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Moi, maintenant, j'ai plus envie de changer. J'ai plus envie de jouer avec mon off. Faut voir. Par contre, j'avais vu aussi... Et c'est ce qui me semblait parce que j'avais vu le truc de voleur, hein. Il me semblait bien parce que quand on avait vu le petit vidéo et tout comme ça et tous les trucs dans la vidéo précédente, il y avait, je crois, j'avais compté quoi, 3-4 voleurs. Alors voilà, le voleur va connaître quelques changements avec Neverwinter. Le voleur a déjà connu beaucoup de changements avec Neverwinter et les gens n'en peuvent plus. Si vous n'avez pas encore fait, oui, si j'en ai fait un, mais je l'ai viré. Le voleur a toujours été défini par les dégâts et quand ça s'envole. Les changements à venir... Bah non, je rigole là-dessus, mais c'est vrai que le voleur, ils l'ont remonté un petit peu, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, hein, ok. Est-ce que maintenant le voleur va... Est-ce que le voleur va devenir le voleur? Ah, ok, le voleur. Ok, le voie d'assassin est centré sur les tacs puissants qui permet de débarrasser rapidement des ennemis. Ah. Entre vos pouvoirs de rencontre et assassinat infligé, des dégâts supplémentaires de dos. Et des talons et ajouterait le poisson. Poison sur les âmes de voleurs, assassins, les ennemis redoutables.
Et j'ai l'OK, génial. Le couteau. OK, c'est dans la ruse pour venir au bout de vos adversaires. Capable de corps à corps, il est également con. Ah bah c'est tout, OK. Et pourquoi Neverwinter, on change pas le nom de voleur qui on le met assassin? Parce que techniquement, c'est un assassin, c'est pas un voleur. Je dis ça, je dis rien. Oh, et attends, on change mot off à barbare. Ok. Une unité d'ennemis ou un champion, comme ça, le voleur dispose de nombreuses options d'ennemis sa cible. Oui, on le sait, en faisant de leur combat. Oui, adapté à tout défi. Nous avons hâte de voir ce que vous en pensez et adapter aux voleurs. Revenez aux voleurs de l'époque, il y a sur console, je parle de console, il y a 5 ans, c'était parfait. Merci bien, voilà mes pensées sur le voleur. Non mais c'est fou quoi. Pourquoi ils appellent pas ça l'assassin? Mais techniquement, c'est un assassin. C'est pas un voleur. Sinon, je volerais la vie des autres. Et leur stuff. Et tout ça, je suis en train de regarder la cam et je viens de remarquer qu'elle n'est pas allumée. Depuis 10-20 minutes, je regarde la cam pour vous parler. Elle n'est pas branchée. Oh gosh, oh yeah, yeah. Bon, bah, comme j'ai dit, j'aime bien rigoler un peu là-dessus. Bon, ça, c'est pour le moment donné, tout ce qui est PC pour le moment. J'avais vu... Oui, ils avaient fait un autre truc, mais c'était avec les gens qui parlaient et tout comme ça. Alors, je vais pas marquer ça. Sur Xbox, bah, tu vois, à venir. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas, on a pas vu tout ça. Chant, les guerriers. Tu vois, à l'époque. Ouais, je vais faire des vidéos au fur et à mesure là. Tu sens... Ah oui, d'accord, ils changent tout en fait. Je t'ai dit, normalement, je regarde pas tout ça parce que je me spoil pas alors. Ah, ils changent tout. Ils changent tout. Ah, le prêtre va changer aussi. Le prêtre va revenir prêtre, ça veut dire qu'il va soigner? Oups, j'ai pas cliqué dessus maintenant. Ouais, ça, l'histoire des monstres, on l'avait vu là dans les réclaps. Bon, sur ce, moi je vous fais bisous, bisous.